passagers à bord. Bowman, cast off bow line. Engine room, full steam ahead. Leadman, sound off depth markings. Father Mark, Mark 1, Mark Twain, Mark 3, Deep 4, Ocean Deep. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Mark Twain. Ici, c'est votre capitaine qui vous parle depuis le poste de pilotage sur la passerelle Texas. Nous quittons maintenant Thunder Mesa et commençons notre croisière sur les Rivers of the Far West pour nous enfoncer dans les nouveaux territoires de l'Ouest. Nous sommes fiers d'avoir parmi nous aujourd'hui un invité très spécial en la personne de M. Mark Twain, le célèbre écrivain. Ce bateau porte d'ailleurs son nom. Tout l'honneur est pour moi, capitaine. Ah, ça fait vraiment plaisir de se retrouver sur le fleuve après toutes ces années. Vous savez qu'autrefois, je gagnais ma vie comme pilote sur un bateau comme celui-ci. Ah, c'était le bon temps. On entendait de loin le sifflet du vapeur au détour d'un méandre du fleuve. Et puis, il apparaissait, glissant nonchalamment sur l'onde majestueuse, le long de ses rivages propices à l'inspiration. Voyez-vous, c'est cette rivière qui m'a donné le goût d'écrire. Et croyez-moi, jamais elle ne m'a trahi. Justement, je me souviens quand Thunder Mesa n'était pas même un tout petit point sur la carte. Ah, aujourd'hui que l'or a enrichi la région, la ville pousse à vue d'œil. Ah, je n'arrive pas encore à croire comment on ne peut pas devenir riche dans ce coin. Il y a beaucoup de gens qui partagent votre point de vue, Monsieur Twain. Évidemment. Vous voyez à bâbord Big Thunder Mountain. C'est là qu'on découvrit le plus grand gisement d'or qu'on ait jamais connu dans l'Ouest. Eh bien, d'aussi loin que je peux me rappeler, malgré tout cet or, cette mine n'a connu que des ennuis et de drôles de phénomènes. Je n'en suis pas le moins surpris. Voyez-vous, cet endroit est un ancien cimetière indien sacré. Bon, je ne suis pas moi-même superstitieux, mais il y a des gens qui croient vraiment que des esprits malins et agités auraient pris possession de la montagne tout entière. Voyez cette petite crique tranquille juste à tribord. Eh bien, ce serait le repère d'une des plus féroces bandes de pirates et de contrebandiers de tout le fleuve. Rassurez-vous, il n'y a rien à craindre pour vous, mesdames et messieurs. Ces gredins en ont seulement après le menu gibier.
Attention deck watch. Fisherman's cabin off starboard bow. Prepare to fend off nets and fishing lines. Ah, c'est seulement la cabane de ce vieux Joe. Depuis le temps que je navigue sur ce fleuve, il a toujours été là. Et il est fameux depuis plus longtemps que ça. Car si mes souvenirs sont exacts, Old Joe est bien le seul pêcheur professionnel connu pour n'avoir jamais attrapé un seul poisson. Des crampes à tendre l'oreille pour entendre cette annonce du sondeur. Ah, croyez-moi, c'est le son le plus doux qu'un marinier puisse entendre. Rien que ces deux mots. Mark Twain! Ah, ça veut dire que les eaux sont sûres. Savez-vous que le long du Mississippi, les gens appellent ce genre de bateau une pièce montée flottante? Et c'est vrai que vu de loin, les ponts supérieurs tout blancs ressemblent à s'y méprendre aux différents étages d'un gâteau génois qui glisserait sur la surface de l'eau. Et c'est un fait, les sternwhalers, comme on les appelle, car leur roue à aube est située à l'arrière, n'ont pas plus d'un demi-mètre de tirant d'eau, ce qui leur permet d'emprunter des rivières peu profondes où d'autres navires s'échoueraient à coup sûr. Bon, si vous voulez m'excuser un moment, je vais en profiter pour me relaxer un peu et contempler les beautés de la nature. Oh, je pense que vous autres aurez envie d'en faire autant. Captain, Settler's wagon off starboard bow. Eh oui, je les vois. Pauvre gars, trop tard pour les aider. Ah, on dirait que ces immigrants ont choisi le mauvais jour pour venir au mauvais endroit. Par ici, la nature est vraiment sans pitié pour les imprudents, et les erreurs sont souvent fatales. Et comme je le dis souvent, lorsque les ennuis se pointent à l'horizon, c'est plus facile de les éviter que de s'en tirer. Nous arrivons maintenant dans une zone de grands phénomènes naturels. Ces geysers rouges à tribord crachent des jets d'eau bouillante à plus de 20 mètres. Et là, regardez, le squelette d'un vieux dinosaure, le plus grand animal que la Terre ait jamais porté. Des savants m'ont même affirmé que ces dinosaures seraient bien plus vieux que la comète de Halley. Regardez, Monsieur Twain, à bâbord, voici Natural Arch Bridge. Une des merveilles de la nature. Thank you.
et voici ce qui fut la plus grandiose résidence de ses parents. Elle est restée inhabitée comme ça depuis au moins 20 ans, et il n'y a pas âme vaillante pour vouloir habiter cette demeure aujourd'hui. Pas une âme vivante, certes, mais j'ai cru entendre que cette maison serait hantée par le fantôme d'une ravissante jeune mariée, errante à la recherche de son amour disparu, et que tard dans la nuit, lorsque tout est calme sur la rivière, on peut entendre des sons étranges et effrayants, venus du cimetière voisin. « Allons, allons, monsieur Twain, vous êtes en train d'effrayer nos jeunes amis. Et moi aussi, pars-tu le marché ?»« Capitaine, sachez que la vérité est la chose la plus précieuse que nous possédions ici-bas. Je crois qu'il faut en user avec parcimonie. » Nous allons accoster maintenant au ponton de Frontierland. C'est là que s'achève notre croisière. Je demande à nos passagers des ponts supérieurs de commencer à descendre vers la passerelle principale et de se préparer à débarquer. Vous pouvez emprunter les escaliers situés à l'arrière du bateau, ils sont plus faciles d'accès. Un dernier mot, Monsieur Twain? J'aimerais, en vous quittant, vous livrer ma pensée du jour. Essayez donc toujours de bien faire. Cela satisfera bien des gens et en surprendra bien d'autres. Cher Monsieur Twain, merci et merci à vous tous d'avoir voyagé en notre compagnie. Nous espérons sincèrement vous revoir très bientôt. We'll be right back.